que Expo 67, c'était une révolution technique pour ce qui concernait la façon que les films étaient présentés avec les lampes au carbone. Presque 100% des salles à travers le monde étaient avec du système au carbone. Naturellement, ce n'était pas efficace pour une exhibition comme Expo, parce que ça prenait des projectionnistes, beaucoup d'exhaust, multi-screen. Plus. Alors, en Allemagne, Osram avait fait l'invention des lampes au xénon. Et la compagnie Zeiss, c'était la première compagnie qui est venue avec l'idée d'utiliser le xénon pour l'application cinéma. Et ça, en 5 ans, c'est beau. Entre 1968 Attends, est-ce qu'on peut regarder plus près? Et 72, ils ont introduit les lampes au xénon pour remplacer celles au carbone. Alors, effectivement, l'exposition de Montréal, c'était l'initiation de ce qu'on a dans les salles aujourd'hui, qui sont même utilisées en digital. C'est encore la plupart, c'est du xénon. Naturellement, maintenant, c'est remplacé un petit peu du laser, mais c'est le xénon. Mais notez, par exemple, que les premières lampes au xénon étaient verticales. Et il y avait une raison pour ça. Et il y avait une autre affaire qui... On avait un dégagement d'ozone parce que les lampes n'avaient pas un filtre en avant. C'était un chimie spéciale que maintenant, on n'entend plus le développement d'ozone parce que ça nous donnait des mal de tête aussi. Alors, ça prenait un dégagement assez intéressant pour éliminer cette senteur. So, il y avait ce désavantage aussi dans les salles parce que le xénon faisait... une odeur qui était vraiment désagréable. So, mais là, depuis tout à l'heure, ils l'ont fait ozone free. Ils ont développé le système ozone free. Mais avant, les lampes, c'était difficile pour les garder stables. Alors, la façon de les garder stables, c'était les mettre verticales en tirant vers la terre. Éventuellement, ils ont reconstruit les lampes pour les faire horizontales. Et ça a pris une certaine modification à les lampes pour que l'arc est devenu un petit peu plus proche, pour que ça stabilise avec un amètre pour réguliser la stabilisation de la lampe. Et aujourd'hui, c'est tout naturellement des lampes horizontales, parce que verticales, il y a beaucoup d'inefficacité naturellement. Okay? So, mais il y a une grosse différence. En verticale, une lampe pourrait aller jusqu'à 4000 heures sans trop de détérioration. En verticale, on tombe presque à 1000 heures d'efficacité pour certains wattages de lampe. Et plus le wattage est haut, moins la durée de vie de la lampe.